Pendant plusieurs fois, moi entendais des autorités à parler concernant la frontière ou bien les frontières haïtiano-dominicaines, frontières qui existaient entre la République dominicaine et Haïti. Yo fait état de près d'une centaine de points frontaliers. Points frontaliers dans le sens que gagne près d'une centaine de côté ou qu'a franchi ou qu'a passé pour sortir soit Saint-Domingue rentrer en Haïti ou bien pour sortir Haïti rentrer Saint-Domingue, même si c'est barragé, même si c'est rivière ou jambé, même si c'est sous pied bois passé, même si c'est bas fil, c'est sous mur, etc. Mais nan près d'une centaine de points frontaliers sa yo, genyen 4 au moins yo considéré comme des points frontaliers officiels parce que l'État reconnaît yo, officiel parce que l'État présent sou yo, et là m'a parlé de l'État de pays yo nan tout compartiment yo, officiel parce que bon ensemble d'institutions qui représente au niveau de point sa yo pour deux pays yo kap défend intérêt de pays yo. Gagnen pour la République dominicaine, l'armée dominicaine qui présent, gagnen la douane qui présent, gagnen responsable immigration qui présent. De notre côté, il y a la douane, il y a un bureau pour AVCT, il y a la police qui présent à travers, bien sûr, il y a une unité spécialisée lio qui c'est Polifront. Il y a de l'autre entité qui présent en dedans point ça. Donc c'est tout ça yo qui fait de yo des points officiels. Avec dit si on bagab souti en République dominicaine, la rentre en Haïti en toute logique, statut officiel que pour gagner, l'État pas boy ici ta doué gon regard sous li qu'on est qui ça cap rentrer a. Est-ce que c'est bon bagay lié? Est-ce qu'il gon l'argent doué payer pour le rentrer? Même gens tout si on bagab souti en Haïti, libre à aller en République dominicaine. Donc un ensemble de mise en place de l'autre côté de la barrière pour garder est-ce que ça cap rentrer en République dominicaine, il doit rentrer. Nan point officiel yo n'a cité Wanamet Darbon, Belader Elias Pignas, Malpass Jimani, en sapitre Pédernal. N'a pas songé en 2023 avec projet construction canal irrigation sous rivière Massacla, qui gagnait quand même un conflit ou bien une crise entre deux pays qui était prend naissance. Parce que n'a pas songé la République dominicaine pas digéré le fait que des Haïtiens prennent décision au niveau du nord-est du pays, ou Wanamet en particulier, pour la poursuivre à un projet qui est estimé qu'à bon pour le pays, mais qu'à bon pour le monde dans le nord-est, pour le monde Maribaou, pour le monde Wanamet. Et en réaction, nous songeons à quantité de mesures que le gouvernement dominicain, l'autorité dominicaine, prend
surtout le président dominicain, M. Luis Abinader, et parmi mesures ça, c'était quand même verrouiller frontière pays ça avec Haïti. Toute frontière était fermée, aucune activité pas faite, aucun échange, etc. Donc, on mesure ça presque étant mis sous 3 mois, si je ne me trompe pas. Sorti août, il est septembre, jusqu'à ce qu'en fin, ou bien à la fin, surtout du mois d'octobre, tu as gagné quand même des révisions au niveau de décision ça au côté de la République dominicaine qui t'a pral faciliter la réouverture, ne serait-ce que progressivement, frontières. Et du coup, gagné tant bien que mal des activités qui t'es venu à mener sur ensemble de frontières, ça a eu nos autres cités là, à savoir, ou à mettre d'abord, après bien sûr, bon temps, malgré la République dominicaine, t'es annoncé que t'es l'ouvri, nous t'es fait kembe, jusqu'à ce que nous songeons ça que t'es passé, barrière t'es venu craser, activité t'es reprenne. Belader, Eliaspin, n'en parlons pas depuis bien avant que t'es venu frappé. Malpas Jimani, un petit peu moins par rapport avec situation et quoi des bouquets. Et puis, en sapit, Pédernal. Jusqu'à début année 2024 là, même si c'est pas totalement, même si c'est pas j'en sais qu'on y a avant, mais quand même activité ou te reprenne sous frontière ça. Je dis à moi vle dans l'introduction journal là, li men projectem son situation qui a développé au niveau de Belader. Et ceci depuis la fin du mois de janvier 2024. Il y a de cela 2 semaines, et puis moi sur internet là m'a essayé garder fil d'actualité. Moi ouais plusieurs posts, moi ouais des monde qui dit ah barrière libre dans Belader. L'aime de fait quoi série de paroles ça yo, pas qu'on comprenne. Mais là, il y a l'autre monde qui puis avisé par ces l'autre et puis qui a dit ah douane mais là dès la grande barrière libre tête chargée. Et bien là m'a essayé comprendre barrière libre dans le sens que je dis a un monde qui a sorti avec une marchandise en République dominicaine très facilement par un monde qui a posé la question par un monde qui a demandé le code. C'est ça me déposer tête moi tout comme question. On dit ah quoi honnêtement moi t'ai minimisé ça me dit mais là moi vinn gagner de l'autre monde qui a attiré attention sur ça et puis me dit il est important pour moi fon coup de pied Belader puisque son jeune son commune moi aller déjà en pile hospitalité on comprendre mon recevoir mon bien mon même mon etc. Dernière fois mal Belader c'est on Dieu qui fait me tourner pour au prince. Et puis me dit bon mal Belader mal garder ça va là mal Belader aller au niveau de la douane parler avec monde pour nous parler etc. Surtout des monde qui impliqué dans ça qui a passé avec des monde au niveau de la population beladeroise. Et bien guerrier du seul qui ça nous river retenu par rapport avec tout ça nous joindre comme témoignage par rapport avec échange nous gagner avec monde. Yo dis nous depuis le 29 janvier gon situation qui a développé au niveau de Belader qui t'a pral provoquer si vous voulez barrière libre ça n'a pas parlé là un peu plus tard. Et qui sa situation est madame monsieur gagnent des transporteurs, gagnent des camionneurs, gagnent tous des commerçants haïtiens comme dominicains qui montaient au créneau guerrier pour te dénoncer une série de l'argent tête chargée y a fait au payer au niveau de la douane de Belader. Par exemple, il y a des transporteurs qui ont même dans domaine transport ciment avec fer qui comme si pas mettre de l'eau dans bouche pour dénoncer responsable au niveau de bureau douane Belader là par rapport à une quantité d'argent à faire au payer, les arrivés à une série de marchandises
au niveau de la douane de Belader soutient la République dominicaine, notamment de sa ONU cité là qui s'est fait avec Sima. On lui a expliqué que, en parlant de transporteurs sérieux et commerçants sérieux, les arrivés avec ciment, fer, surtout fer là, au niveau de douane, douane censée faire payer presque le double de prix au acheté fer là en République dominicaine comme frais de douane. Ça fait ou non, etc. Et c'est comme si ça pas assez selon le monde qui fréquente douane ça souvent guerrier. Il explique vin gagner de mesures qui prend tout pour taxer une série de l'autre produit quel que soit gens yo rentré en dedans douane ou bien en dedans pays. Par exemple, il dit on monde te met à sortir en République dominicaine avec un sac farine sous tête tout de pour passer barrière dominicaine pour tomber dans douane Belader là ou pas obligé payer quel que soit jon traverse à bout dur que c'est dans mon ou porter sac là que c'est sous tête tout pas payer pour des douanes sous passer sous moto avec elle-même parce qu'il y a une moto qui fait zone là. Même dit zone là et traverser barrière dominicaine normalement ou payer pirade sous passer sous pick-up même payer pirade pas mandé pour camion mon yo estime que augmentation de taxa ou bien nouvelle taxa yo vinn mette yo dans situation difficile pour yo continuer faire transaction commerciale ou échange commercial là avec voisins. Mba bon menti, yo nerve, yo en colère et yo mande fok directeur ou bien fok responsable douane au niveau de Belader ba talon parce que selon yo c'est à des mesures qui prend à dessein. Par exemple, moi rencontre des monde qui dit c'est parce que mon série de produits ou pas vle mali rez et faire entrer dans pays ou bien conseil de business yo pas vle malheureuse fait comme qui dirait l'ordre là c'est pas ta on l'ordre de l'état haïtien véritablement c'est ta des hommes d'affaires très puissants dans le secteur privé haïtien qui ont même dans importation et comme produit dominicain li écoulé plus rapide il ta capable plus bon marché et entre guillemets fait mon yo fait comme bien donc yo estimé que c'est nèg dans secteur privé qui fâché qui compte l'idée pour malheureuse foncer les business dans pays qui t'a utilisé on série de responsable au niveau de douane pour venir avec on série de taxes pour tout pisio pour empêcher yo guerrier de seul faire business là pour décourager tout carrément. Alors c'est ça yo même le déduit ça m'a dit là c'est mon information. OK, les moins pas là avec mon guerrier c'est ça yo dit pour yo mesure ça yo pour augmenter taxe ça yo bien nouvelle taxe ça yo vient avec yo là ou bien tarif douane ou bien frais de douane ça yo c'est pas ta décision de l'état haïtien mais plutôt son l'autre qui t'a venir de gros baron dans secteur privé a qui imposer l'état en formule pour décourager une série de monde font série de business dans le pays a. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'à minute, moi, m'a parlé là, m'a dit oui ou non. Maintenant, guerrier, en guise de réaction, qui ça moun yo fait? Moun yo protesté et yo crasé yon nan barrière douane Belader là. Qui c'est? Une barrière fondamentale, les camions sortis en République Dominicaine pour le passer, pour le rentrer en Haïti. Te vin gen un moment de tension nan journée ça et en pile coup de balle te tiré selon ça ou te rapporté moi pas sur place puisque gen des moun qui étaient armés tout dans population bien dans moun qui t'a fait revendication au passé à guerrier force de l'ordre intervenu balle tiré jusqu'à ce que responsable voulait gaguer
depuis l'or guerrier, nous apprenons que responsable douane, directeur Wilbert Charles, n'y pas ta mettre pied. Alors faut que nous soulignions, nous faisons des tentatives pour nous parler avec directeur pour nous être capable de garder si nous avons fait équilibre là. Malheureusement, tentative est révélée au vent. Mais nous avons toujours été l'ouvri pour directeur Wilbert Charles s'il gagne une précision littéraire mais poté. Et depuis tout, nous avons exigé le départ sans condition du principal responsable de la douane de Belader. Donc il dit grande façon pour douane ta continuer refonctionner. Jean t'a fonctionné avant, faut que c'est pas Wilbert Charles qui directeur. Nous apprenons que gagne une commission qui sorti Port-au-Prince pour t'aller regarder est-ce que il est possible ou joindre une entente entre responsable et également syndicaliste ou bien camionneur, transporteur etc. haïtien pour faciliter l'ouverture douane sans problème. Malheureusement, commission pas non seulement arrivé rentrer dans Belader mais tout arrivé parler avec ensemble protagoniste. Depuis dans rentrée ville là, il bloqué. Les ou apprend que gagne une équipe qui vient là pour venir chita parler avec et pour capable de dénouement à situation. Donc je dis depuis dans zone pour monde qui connaît rentré Belader très bien depuis dans zone en bas pont mon yo bloqué je dis pas question pour nèg venir sortir Port-au-Prince pour venir passer yo ka venir imposer loi là et faciliter que aucun B Wilbert Charles comme responsable comme directeur douane. Et mes guerriers depuis le ça c'est comme si douane Belader là les livré à lui-même. Livré à lui-même veut dire qui ça madame monsieur on moun ka rentré avec un camion là si c'est pour l'état pas que personne qui a demandé le qui ça pour pouvoir. Depuis les yo fin faire vérification bel fin payer ça pour le payer bon côté dominicani dans bon dominicain yo depuis le traverser barrière dominicanien pour venir dans bon panouan son savane. Regarde. Cependant, guerrier, si pas gagné des agents douaniers qui là, soit pour faire mon pays, frère ou de pays, ou bien pour faire vérification, pour faire contrôle, etc. Si pas gagné des policiers tout qui accompagnent agents douaniers, ça yo, pour ça yo, mais yo dit non, gagné de syndicalistes, guerriers qui au niveau douane qui exigent un frère. Syndicalistes. Syndicat transport, yo di bon syndicat qui est le Sintrabel. Oui, nan men camionneur, nan men transport, on frère. Mais on frère que jodi a ni moi. Bien sûr, côté comment vous l'état. Il t'a bon bagay. Non sens, comment vous êtes syndicat t'apprel. Comment c'est l'argent vous l'état. Non. Côté que capacité ça. Yo jwenn une formule entre yo pour le camion rentrer pour le syndicat on frère. Et ça beaucoup j'aimerais non guerrier. L'on fin by frère ça la rien ou pral fait face de l'or soutien douane nan pour arriver rentrer Belader jusqu'à ce qu'on quitte Belader pour aller pour la marchandise là ou pral fait face à des postes de péage. Postes de péage ça guerrier c'est pas l'état là dedans non c'est des individus et information qui rive joindre moi individus ça parce que agressif non ou bien fait pression non mais guerrier au minimum ça pas gain zame du tout yo 9 mm. Et ça moun yo retenu. Moun sa yo qui nan poste de péage sa yo. C'est pas moun comme si qui vini de propre gré, probablement yo gon moun qui sous tête yo mete yo. Et m pa parler de moun pour le cap. Parce que voilà, je pour l'état, non, pas de ça m'a parler là non. Moi dit des individus. Avec les camions en passé, les motos à passer, les pick-up à passer, qui gon frère au taxi et puis frère à bail, longe main oui. Longe main bail comme là et puis passer. Ces gens t'a capable expliquer, on pas dire c'est même scénario parce que on pas jamais oser dire mon cap faire c'est des bandits etc. cetera. On pas jamais dire ça. Même t'a capable dire c'est même réalité à le ou a font série de route nationale qui contrôlé par les gangs armés. On gon série de côte au rivé. Ou bandits au campé et puis yo exiger une série de machines payées pour yo passer.
Ça que fait pas disait même bagarre là, c'est parce que nous pas une certitude que c'est bandi, nous pas nous pas jeune disait bandi. Et nous pas une certitude donc avec gros âme fois faire pression, mais nous connaît yo âme sur yo. Par contre, vous comprenez. Et nous connaît que c'est des c'est pas policier, c'est pas agent douanier. C'est des civils. Qu'on y a à savoir pour qui est-ce y a travaillé. Qui est-ce qui mettait yo là et comme ça yo pour côté comme là aller, bon qu'à répondre question ça. Par contre, vous comprenez. Mais il existait parce que moi parle avec des monde qui dans circuit qui dit effectivement les camions en sorti en République dominicaine il y a des frères au bail et puis frère à bail yo bail yo passé et là yo passé par des monde qui connaît qui ça qui dans camion qui ça yo porter comme marchandise et qui sa destination yo y par contre vous comprenez et pour nous retourner guerrier Dieu seul dans local douane pour monde qui connaît douane belader là très bien il y a deux barrières. Gon barrière principale, mais gon l'autre barrière que nous t'as considéré comme une barrière secondaire. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que barrière secondaire, la guerrier, c'est lui-même qui, d'abord, plus près barrière dominicaine, mais qui n'a résidence douane. Ça veut dire qui ça? De côté, la barrière principale, gon sous-commissariat, donc policier, polifrontier, opposé au là. Mais de l'autre côté qui c'est barrière secondaire à côté camion passer directement pour accéder à la douane pour rentrer en Haïti pour aller faire outil guerrier c'est lui même qui écrase qui rache et il passe là police juste poser pas dire rien qu'on y a là gon zone où il est caché mais l'offre quitter douane on va avancer sous Belader pour quitter on caserne et qui réhabilité yo dit les ministres étaient là c'est là et mon Nations Unies étaient soldats Nations Unies et yo dit une base pour les fonds là, mais avant, ils disent qu'ils sont venus là, etc. Il y a des policiers là. Quand il y a ça qui arrive des jours, ils font des checks ou bien des contrôles de routine. Mais contrôle ça, regarde, en pile froid, ce n'est pas pour mettre des marchandises à terre pour fouiller. Qui ça a camion à côté? Ils doivent regarder est-ce qu'ils sont en règle. On peut regarder les papiers machines, etc. Mais depuis qu'ils sont en règle ou bien contrôle la fait partiellement, pour diable. S'il t'a fait tout mon garantie il va pas accompagner il va pourquoi il va pas accompagner de monde dans douane non pour faire ça donc il fait check routine dans des fois et bon bah il fait chaque jour mais certaines fois tout camion on passe par des monde qui dit rien et pas de capacité tout même si tu as de bonne volonté là m'a parlé de policier qui quand on est dans zone ça pour vérifier qui ça camion saboté qui ça pick up saboté qui ça moto toi saboté pour yo vérifier. Et au niveau local, selon ça, vous rapportez, on a comme l'impression que soit normal, ça m'a décrit là, ça m'a expliqué là. Donc, on n'a pas senti gagner une préoccupation, bon côté autorité locale, bon côté police dans Belader, bon côté la justice, etc. Donc, tout le monde a fonctionné. On a fonctionné et puis. Chaque monde a vaqué à occupation yo et puis tout monde a passé sous chaio. Et bon oui, nous fait malgré barrière les blabaille et les dominicains au courant mais la presse dominicaine pas parler de ça au rond pour ça raison simple il a avantage au côté de profiter écouler tout ça au gars les chers saute qui baille imbécile qui pas prend. Donc c'est facile pour yo qu'on y a là pour conseiller des produits là ou bien on se débat il suffit que vous fait l'argent eux-mêmes sauf que dans ce sens inverse là, pas grand rien que la République dominicaine pas voulu rentrer l'autre bois, moi je suis rentré dans la contrebande. Ouais, une contrebande qui fait tout non niveau bien non l'autre, même si pas dans le même niveau. Et la caille noire. Vous comprenez? Mais ils mettent contrôle par eux, mais eux même ils s'en foutent pas mal. Non, non, quittez pas nous comme savant. Savant, passé. Par contre, vous comprenez? Donc, je dis à Guinée Bagay, moi-même personnellement, qui attire l'attention. Ça qui a passé là, ou bien ça m'a tout à fait décrit là, guerrier Dieu seul. Il n'y a pas bon pour un groupe de monde. Parce qu'il y a des gens qui tout profité, fait ces business là, l'acheter au Dominicain, rentrer, etc. Il n'y a pas bon pour un monde, Belader. Il n'y a pas bon pour eux. Parce que, oui, chauffeur camion, tout, commerçant, ou papé, frais de droit. Il y a des gens qui ont fait mouvement. Il n'y a pas bon pour eux. Mais, son situation qui est fragile et qui est triste à la fois, guerrier Dieu seul. Les constituer on manque à gagner pour l'État. Parce que même sous tendez toutes sortes de yo, douane Belader là quand même, qu'on participe, n'en permettre la douane d'une façon générale, mobilisons ensemble de ressources
pour le compte de l'État haïtien ou bien pour le compte du trésor public. Donc pendant la période de ça, 2 janvier, à minute, n'a pas parlé la guerrière du sol. Vos quantités d'argent, couvrez le par l'État perdu. De tout guerrier du sol, n'importe bagaille qui a rentré dans le pays là. N'importe bagaille. Le fait que pas gagné un contrôle strict qui fait, pas une vérification. Et malgré agent douanier était présent en permanence, malgré la police qu'on a accompagné agent douanier pour faire série de contrôle, ça va t'empêcher que des bagages qui rentrent dans le pays quand même. Voilà que jodia situation ça n'a pas décrit là pour vos barrières libres. Donc il vient faciliter camion passer, machine passer à l'exception de machine privée parce que dit depuis la Abinadel tu prends des mesures qui concernent la bas immigration la Kalia, donc il y a des machines, il y a des restrictions mettre sur machine privée, mais comme si pick-up cal prend marchandise, moto toi ou cal prend marchandise, camion cal prend marchandise sortir République Dominicaine pour entrer en Haïti avec passant par Belader ou bien par la douane de Belader. Il vient entrer très facile. Qu'on y a là rentrer à Seyon, mais ça reporter à son lot. Pas rien qui dit nous si on est sorti avec un trailer ou bien un conteneur ciment en République Dominicaine, il rentre avec en Haïti via la douane de Belader, que c'est ciment que la donne tout bon ou bien que tout ça que la donne c'est ciment. Pas rien qui dit nous aujourd'hui si on est rentré avec un conteneur fait guerrier du sol, c'est fait que la donne seulement. Pas rien qui dit nous aujourd'hui, si on a acheté viande en République Dominicaine, il rentre avec un long camion, c'est viande seulement que la donne. Donc il y a possibilité pour n'importe quoi de rentrer dans le pays, y a même ça qui est illicite, ouais. Même ça qui n'est pas recommandé, même ça qui n'est pas nuit, même ça qui n'est pas bon. Question ZAM, question munitions, question trafic organes, bon, pas quel autre bagage encore, même drogue, même. Tout bagage. Tout bagage possible pour rentrer dans le pays. Et pas oublier, n'en déplaise au Beladewa. Douane Belader là, pour ne pas dire frontière, Belader là, c'est une frontière que nous sommes capables de dire, considérer comme une zone rouge. Pour qui ça? Parce que quand pile Zamak munitions passent par frontière ça, pour entrer dans le pays là. Et là, ils passent très facilement. Peut-être au niveau de Belader, et pas Belader, non, Mirbalet, qu'on gagne des saisies qu'on fait, des interventions qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. Récemment, m'apprendre que. Il y a une quantité de caisses poules qui sont en République Dominicaine. Mais en bas, les guerriers. Eh bien, en bas, pour les guerriers, c'est munitions, c'est balles. C'est ça. Par contre, vous comprenez ça, Abdoula. Mais à part ça, guerrier, il y a passé Belader sans problème. Par contre, vous comprenez. Il y a passé Belader sans problème. Et le plus triste dans tout ça, je n'ai pas senti ça m'a dit que je ne préoccupais personne. Pas bien, je parle de 29 janvier jusqu'à aujourd'hui. Pas une note des responsables. Pas une note de l'État pour dire voilà, mais sa situation est, et je prends la cœur, mais qui décision qu'il prend, et je contrôle, etc. Donc, je quitte le marché. Et même au niveau de la population, on pas senti que ça fait trop bruit. Ouais. Parce que nous avons dit l'argent boissé, malheureusement, profiter. A fait commerce à l'acheter République Dominicaine, vine vendre Haïti sans problème. Mais y'a pas ouais danger qui plane sur tête pays par rapport avec ça. Pour imaginer nous, notre passé, t'es gagné agent douanier, t'es gagné responsable douane, t'es gagné la police qui mobilise, ça pas empêché qu'on y ait gros déblousage qui fait au niveau de douane. Non, on sait le bail qui apprend, on sait le produit qui apprend dans le pays. Voilà que je dis, pour un réseau bien pour l'autre. Chaîne ça, sans c'est pas exister. Donc, il y a eu pour pipo. Je ne sais pas si vous. Et je dis à ça, je veux nous retenir. Ce n'est pas une question de Belader. Pas oublier, transaction ou bien échange qui fait entre la République Dominicaine et Haïti via la frontière Belader, et pas d'abord, non, Belader et Yaspin, il y a quand même gagné un impact sur le Grand Nord. Parce qu'on équipe dépôt, on équipe gros business qui est dans le Grand Nord à gagner. Ils ont approvisionné en République Dominicaine via Belader. Donc ça n'a pas dit là, ça n'a pas fait nous comprendre là, ça n'a pas essayé d'expliquer là. Ce n'est pas seulement Belader pour nous. Il faut nous le Grand Nord et il faut nous tout en bon parti dans la région métropolitaine. Par exemple, ça. Par contre, vous comprenez. Dieu seul sait combien de monde. Yo kembe qui pourrait aller
plateau central, notamment dans bas plateau à Belader, à l'argent dans main qui va acheter des armes, qui va acheter munitions. Dieu seul sait combien de monde qui sont en République dominicaine, qui sont ici et la caille voisin, passant par la frontière Belader, Elias Pine, pour jambé en série de armes ou bien munitions en d'un pays. Même pour monde Belader, il doit gagner des jeunes là ou bien des monde Belader tout qui profiter brasser l'argent. Il ne doit pas de mauvaise foi. Il doit profiter de ça qui arrive à là, OK? Pour yo même lancer un business etc., faire des pour faire des bagages. Mais ils sont dangereux pour yo tout. Ils sont dangereux pour yo tout par rapport avec pile zam pile l'autre qui est capable d'entrer dans le pays. Parce que couvre le pas Belader était en ville dans le pays, était en zone dans le pays, même si son commune frontalière. Par contre, vous comprenez. Le pays en soi, il y a Jésus seul, pas conscient de ça n'a pas l'air là. Et c'est un grand pays, m'a parlé de Haïti, comme si porte d'entrée, porte de sortie, le frontière là, libre comme ça. Moun ka rentrer avec ça ou vle, etc. Ka débarquer avec ça ou vle. On a dit la prend chance parce qu'ils sont savants. Et pourtant, de l'autre côté, sous la différence entre deux pays, on a question ça, c'est énorme. Parce que pendant que les barrières libres, pendant que les nègres sont sur camion en République Dominicaine, ils rentrent avec de la dedans là. Mais fait investir là pour les bagailles. Presque chaque combien de mètres, mon bureau, l'offre qui était barrière dominicaine, on y a là pour aller au Yaskin là. Presque chaque combien de mètres, mon bureau. Pendant nous-mêmes, nous avons barrières libres là, oui. Faut cet exercice. Tu vas prendre un bail dans le pays ou à vous? Pas capable. Par contre, tu comprends? Oui, mais il y a fait pays. Il y a fait pays. Même la fait l'obéi. Il est facile pour ça, oui. Nous sommes très récemment, nous avons fait le temps dans la commune. Nous avons mal dans la douane, dans la guerre du seul. Mettez deux mêmes dans la tête, oui. On côté l'État a fait l'argent, l'État a recevoir l'argent. Pas de différence entre un pack cochon, un pack bête avec l'on. Désolé, mon Belader. Je regarde le local de douane, c'est pile fatra, de l'eau senti, bête, cochon, monte et descend. Pendant ce temps, mes bureaux de douane, mes OAVC étaient là, mes commissariats là, etc. Oui. Guerrier, Jean Van Nouan, Jean Comporte, là, ils ont ça au grand. Première impression, on lit pour beaucoup. Pendant que je suis campé dans le gris, là, comme ça, je regarde. Bon, là, quand il voisin, il y a une différence palpable, visible, oui. Bagaille qui a fait de l'eau couler dans le jour. Oui, on a dit la République Dominicaine, par un nous connaissons par un nous. Oui, ils ont un enragé contre nous. Mais est-ce que nous-mêmes nous comportons nous comme monde, comme citoyens, pour nous respecter nous? Alors, vous pensez que c'est la République qui fait douane Belader dans l'État, ça? Pas qu'on a parlé de douane là. Ah, c'est la République Dominicaine qui fait que nous avons ramassé l'argent dans la douane et puis nous semblons pas cochon. Hein? Et la République Dominicaine qui fait que de l'eau senti bête font seul, fatra font seul, dans la boule figue, représentant l'État en dedans. Elle dit ça, l'autre ça. La République Dominicaine qui fait ça. Par contre, vous comprenez. Pendant ce temps, nous disons de l'autre côté, pendant la barrière, où est la différence là? Nous disons moi-même, je ne pas traverser, je ne pas garder la grille là, puisque. Il y a une barrière là et puis un mur qui n'est pas monté net mais qui est gris qui permet de garder toute activité et soldats américains dominicains. Ouais, c'est ce front. C'est ce front là qui a suivi les frontières là. Pour garder des gens infrastructurés. Où est son pays qui souffre pays? Ouais. Mais l'on regarde côté nous camper, on a gardé l'autre bois guerrier. Où est rancé dans le donc moi-même matin, m'attire attention pays à sous ça. Attirer attention à la République dominicaine pas la République dominicaine et l'État haïtien autorité au sous ça. Ou qu'on sait qu'a passé si pas j'aime rien qui dit vraiment les voulez ou bien les gain volonté pour ta faire ba retourner dans normalité il doit difficile ba mon doit venir tellement à l'aise dans j'a fonctionner là y a fait comme yo là il va venir difficile pour l'État faire l'autre tourner dans douane il va difficile pour faire ba retourner fonctionner j'ai ou ta fonctionner. Par contre, vous comprenez. Parce que depuis janvier à la, jeudi à la, et directeur à parler dans le bureau, etc. C'est ça qui a passé au là, je suis décrit là. Donc, c'est ça lié.
It is what it is. Pardon. Aïe. Et ça y est. Et m'a fini pour me dire que ça m'a dit à la moune, mais la dernière doit pas trop content, mais m'a dit, m'pas fréquenter l'autre point frontalier en pile. Mais pour Belader, comme c'est sous sa monnaie de focus la matin, parce que n'importe le l'État voulait prendre ça en considération, il faut que son douane doit être restructuré. Je ne vais pas demander pour le faire, non, jamais. Parce que douane, non, il y a tout bon retombé, ni pour Belader, ni pour Grand Noir, ni pour le pays d'une façon générale. Ils sont points officiels, il faut échanger au fait, etc. Mais faut que structuré. Faut que vous fassiez deux lits en côté l'État présent, vous tout bon vrai. Parce qu'il n'est pas possible pour infrastructure au niveau de bureau, ça n'a pas été là, n'a été de vivre là, il n'est pas possible. Donc faut que vous arrangez pour au moins montrer que son pays qui gagne là. Et deuxièmement, tout faut que vous mettez principe qui a facilité. Bah, vous faites, j'en ai fait, même si vous sérieux deux problèmes qui doivent être structurels. Qui concerne tout pays, à tout douanier, mais pour la douane de Belader en soi, moi je pense que le travail qui a été fait, au moins, n'a levé ce qu'on figure devant la République Dominicaine. Parce que moi je pense que tout le temps d'autant de la République Dominicaine, pas prendre nos points, hein, tout le temps d'autant de la République Dominicaine, pas respecter nous, hein, c'est notre comportement aux gens qui fait qu'ils ne respectent pas le niveau ça, ou bien c'est l'État, pays qui traite nous aux gens, qui fait qu'ils n'ont pas aucun respect pour nous dans ce sens. Je pense que moi t'es utile assez. Donc, mes cours a toujours été ouvert. Surtout, moi, je ne peux pas parler avec le directeur Wilbert Charles. De tenter de faire ça malheureusement.